Plus près, je sais pas si vous verrez, ça brille, je sais pas vraiment si j'essaie de voir si on voit un petit peu là,
Voilà. Donc en fait, vous avez vu, j'avais commencé par vouloir faire un fond avec les feutres Stamping White, en l'utilisant pour faire un fond sur ma gel press, un peu façon aquarelle. Mais comme d'habitude, souvent quand je fais ça, je trouve que c'est un peu palo, ça manque de peps. Donc j'avais commencé à essayer de mettre un peu de paillettes avec un pochoir et de la poudre, de la pâte à embosser sur lequel je suis venue fixer des paillettes. Ça me faisait un peu déjà de plus de peps. J'avais commencé à faire un cadre en argenté, en blanc, puis j'ai mis du noir. Puis j'étais pas satisfaite, j'ai laissé tomber mon projet. Et je l'ai repris que 2 jours plus tard. Hier, j'ai pas fait d'art journal, j'ai pas fait de création. Ou ce matin, j'avais envie. Puis je me suis dit, allez, j'attaque avec les poudres infusion. Donc j'ai mis un peu de bleu et un peu de vert pour faire un peu un espèce de... C'est plus logique que ça soit vert en bas parce qu'il y a des sapins, tout ça. Vous allez entendre mon chat. Qu'est-ce qu'il y a, Kitty? Ça va, ma chichi? Oh, tu es belle. Et donc du coup, le haut dans les tons bleus. Je vous mettrai les références s'il faut des poudres. J'ai utilisé le set de tampons Merry and Bright, les petites poupettes de chez All and Create, que j'avais envie depuis un petit moment. Je les ai colorisées à l'alcool, enfin au feutre à alcool. J'ai utilisé le set de tampons Sapin Fantasy de chez Stamping Up pour mettre un petit peu en valeur quelques sapins, et puis si un sapin plus important. Ici, c'est de la poudre embossée argent. Il y a pas mal de splatch de Posca et de peinture argentée de chez Cultura. Et je vais utiliser aussi un endroit, je ne sais pas si je vais le retrouver dans mon stylo. Voilà, c'est un crayon comme ça de chez Pilote. C'est de la peinture acrylique à l'intérieur, vraiment liquide, que je suis venue splatcher. Je suis venue faire le contour du sapin. Bon, c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai utilisé de la poudre collante que j'ai utilisée avec mes Varsamark pour créer des petites étoiles. Et ensuite, je suis venue mettre les mêmes paillettes et j'ai chauffé. Oh, après, j'ai mis un spray pour fixer un peu les pastels, mais ça marche aussi pour fixer les paillettes en fait, puisqu'en fait, c'est comme de la colle ou de la laque. Ça marche avec de la laque aussi, pareil, j'ai jamais essayé. Mais comme moi, j'ai de la poudre pour mes pastels secs, voilà, je l'ai utilisé. Pour éviter que les paillettes partent, quoi. Au moins là c'est bon, vous pouvez y aller. J'en ai toujours un petit peu parce que tout n'est pas, mais c'est quand même fixé. Donc voilà pour ma carte, enfin ma page d'art journal. Donc là c'est une page vraiment sur papier libre. Ce que je vais faire, c'est que quand ça sera bien sec, je vais venir la plier en deux et je vais venir les coller au fur et à mesure pour créer mon art journal maison. Ça me permet de travailler directement si je le souhaite sur du papier A4. Et de ne pas être embêté par la pliure du carnet. Je trouve que c'est une bonne idée parce que souvent dans mon art journal, après des fois quand on n'est pas à la même hauteur, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis à bientôt.